Près de 5 000 exposants nationaux proposent une gamme de produits agricoles et de technologies de pointe au cours de cet événement de 5 jours. Pour la première fois, l'exposition s'est enrichie d'un hall international au sein duquel les pays invités, le Laos, le Mali et le Malawi, présentent leurs spécialités locales telles que le durian, le piment et l'artisanat. Quand je joue du tambour, les gens se montrent très enthousiastes. C'est donc la partie que j'aime le plus dans une exposition. Les gens peuvent toucher vos produits, ils peuvent communiquer face à face. C'est donc très intéressant. Nous voyons cela comme une opportunité de partager des connaissances. Nous voulons apprendre de la Chine en termes de techniques utilisées dans l'agriculture, y compris la façon dont ils pratiquent l'agriculture. Et aussi pour nous de transmettre aux Chinois les choses que nous ferions pour le marché chinois.